Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Enquête sous assassinat président Jovenel Moïse là, continue à pousser Chimel. La police lagué à vie de recherche derrière trois gros criminels qui c'est Badio Joseph Félix, Joseph John Félix, ensemble avec Jara Rodolphe alias Dodof. Qui est monsieur Sayoui? Est-ce qu'il est impliqué dans l'assassinat président Jovenel Moïse? Mesdames, mademoiselles et messieurs, qui cause pour qu'on ait, m'bral décortiqué pour qu'on ait qui moun Sayoui? Et si toutefois, ou t'as remarqué aux zones bon la caillou, y'a danger en pile, pas hésiter, relais la police. Crise pirède. Après assassinat président Jovenel Moïse, malgré diverses décisions à prendre bon côté politiciens, société civile, organisation de base, secteur privé, tout moun youn pa ka chita vre sous chaise là en dedans palier. Nous jis kwaze bras, nous n'attend tonton blanc. Yon l'autre fois encore nous prouver nous son équipe bon bluffé à criminel. Nan jou passé yo nous tap rele à bas. Fòk li ale, mais kounya li pa la. Al pote bourre non chita si nous capable. Question qu'a posé après assassinat président Jovenel Moïse, qui est-ce qui pral président pays d'Haïti? Eh bien, nan vidéo ça ou pral connaît tout de mais attention, avant Messia vin président pays d'Haïti, eh bien, m'pa caché dou sou ti bout de sa pral gan pile cause k pral passé. Nan ka sa, question k'ap pose, est-ce que Jovenel Moïse ap jwenn justice tout bon vrai? Est-ce que Jovenel Moïse ap mouri pour grand merci? Après assassinat gros bout tonton garçon ça, Jovenel Moïse, eh bien, gros changement fait nan palais national. Yo décidé changer responsable coordination, responsable USP 4 team ak USGPN, mais question k'ap pose, les ont changé, wa qui président ou pral sécuriser s'il vous plaît. En tout cas, jouette la bossale, pral gan pile crier là-dedans. Moi invité ou rale ti chaise ba ou chita confortablement. Fou qu'on s'en mis faut pas ou rentrer la caillou pral ba ou tout tripotay sa yo nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Encore une autre fois m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou, et merci pour fidélité ou patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Ses amis pa ou Foucault. J'en t'ai annoncé, eh bien, la police lui-même, lagué, avis de recherche des trois gros, présumés criminels qui participaient dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Monsieur yo lou, monsieur yo plein, monsieur yo en fond, monsieur n'a yon gen dossier sous deux frères et sœurs. C'est pas premier crime, non, semble n'a yon ap fait information. Rale plus moun commencé à écrire parce que nous pas qu'à oublier information ça. Pour un pile moun, non ça, pas paraître inconnu pour yo John Joel Joseph. Je me rappelle, les sam de gekilage, de kage 12, 13 ou 14 ans, je crois. Jusqu'à 15 ans, monsieur ça était sénateur. Oh oui, il était sénateur. Oui, il était sénateur. À la côté de cause, papa. Eh bien, la police, pour bien dire, police nationale pays d'Haïti, la gué avis de recherche de John Joel Joseph. Pour qui ça y au reproche? Pour qui ça y la gué avis de recherche là? Quand même, gué quelques bagailles y au reproche, eh bien, infraction reproche. Y au reproche pour assassinat, tentative assassinat, vol armé armé. Et puis la police met ton petit nota bene, puis bah, il dit dangereux et armé. Ça qui passe comme ça, nèg. Ça nèg yo gen yo danger comme ça. Ça qui t'a dit ça, nèg la go ancien et sénateur, puis nèg yo danger comme ça. Oh, ti la pli gen les poko jam danger. Izo gen les poko jam danger parce que monsieur ça, parce que premier fois moi la police marqué dangereux et armé. Ça veut dire gen bagay. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, mes dossiers pour John Joel Joseph. Dossier monsieur lou en pile, monsieur c'est nèg fo national. D'après information qui arrive joine nous, monsieur c'était bon grain, bon grain nan base bou Jean-Jean qui nan prison actuellement. Li te gen en sécurité, li te criblé en babal, donc moun nan zone ça vraiment passé misé en bas mel parce que yo t'a rançonné moun en pile en pile. Et les nèg ça mouri,
sécurité là, li mouri, yo flanqué 17 balles. Et c'était à l'époque, c'était dans une fête que yo te ye. Et fête ça, yo tap fel, parce que monsieur lui-même, John Joel Joseph, tap pral voyager. Li tap pralé en France. Chay saute sous tête, li tombe sous épaule, kounya là, n'ap attaqué dossier, badio, Joseph Félix. Qui est citoyen ça? La police nationale, direction centrale police judiciaire, lage avis de recherche derrière Badio Joseph Félix, qui se nom. Effraction reprochée, assassinat, tentative assassinat, vol à main armée. Nan note bien, la police dit, nèg sa li très dangereux. Frère, c'est ça, bien aimé, nous gué dossier pour garçon ça. Dossier nous gué pour lui, c'est que, mes amis, à pas payer à pourri des bouts. Ça veut dire, ou qu'a passé là où on belle orange, ou on belle député, ou on belle sénateur, ou on belle avocat. Mais c'est avocat, lié, oui, s'il vous plaît. Ou on belle avocat, pourtant tout en dans le pourri, frère, c'est ça. C'est comme si c'est paille qui t'en dans mon yo, pas gué trip encore, non? Beaucoup j'aime saisir comme ça. Tandis qu'il côté, monsieur, à travail. Eh bien, monsieur lui-même, Joseph Félix Badiosa, lycéen avocat. La travail nan IGPNH. Qui ça la travail, frère, c'est ça? La travail nan IGPNH. Oh! Kadja moun yo gen cran. Eh, côté bagay la pitri, c'est que monsieur a travaillé tout souple nan ULCC. Nous kon sa ULCC vle di. Unité capable contre corruption. Unité capable contre corruption, frère, c'est ça, mille assassinat. Pays à bourri, oui. A pas senti pays à casser. A pas tout tête pays à fond, même j'a tête Jovenel. A pas tout zo kote pays à casser, même j'a Jovenel. Ça veut dire que j'ai écrasé Jovenel là, ça veut dire c'est à pays à yo faire le semblé, oui. Et là n'a pas comprendre vous frères et sœurs. J'en zo pied Jovenel cassé, mais c'est comme ça zo pied pays a cassé tout, oui. Et toi était pas de camper dans figu nous pour expliquer nous le comme ça et mais yo fait Jovenel passer pour ça et puis yo tout ba nous image ba nous tout détail. A pas toute tête pays à fond, a pas pays à ça on seul gringer l'a fonctionner. Pays a pas gain senti encore non. Pour moun nan a travaille nan ULCC ou c'est avocat et puis kounya la n'a dim c'est président qui empêche pays marcher. N'a dim c'est président qui fait justice là et pouvoir judiciaire disparaître. Tandis que moun kap travay nan ki sa souple nan ULCC, lap travay tout nan la police, parce qu'il fait pas lap travay nan IGPNH, ak ULCC, donc en ce sens. Hey! Oh, m'sezi. Vout poko jom sezi kon sa dans la vie. Apo kap marche nan la ria, ou on gros to, ou ou sou belle machine, ou ou bien en forme, je suis maître. Et pourtant, gros volet passe ou pagé, gros assassin passe ou pagé, frères et sœurs. Kote nou ou rele la police, parce que ou pa ka ancien sénateur, ou ap travay nan ULCC, et puis, ou a participé nan assassinat président? Qui ça, monsieur, ça ou fait? Est-ce que yo tal touye tout ou bien, est-ce que c'est eux même qui te manigan ces bagay là? N'a privé sous lit, n'a privé sous ça, en pre troisième, goto ou a que la police lage avis de recherche d'elle. Eh bien, la police lage avis de recherche derrière Ja Rodolphe alias Dodof. Effraction reprochée, toujours c'est assassinat, tentative assassinat, vol à main armée. Et monsieur, très dangereux! Côté nous, mes amis, toi, monsieur Sayo. Information sous Dodof, ou doit connaître. Eh bien, Tripotay fait connaître, monsieur, c'est bon ami, Boulgren Martelly, ancien président nous. Ancien président, tête calée à Martelly. Et déjà, yo arrêté pour trafic drogue. Non, monsieur Sayo, t'as cité sous les ondes comme moun qui t'a aidé. Sanon Emmanuel loué machine pour mercenaire checker bag checker kay checker tout bagay sa yo et ceci Sanon lui-même qui c'est un résident en Floride PNH la te déjà mettel en bas code comme moun parmi en pilote toujours cap vini comme auteur intellectuel crime si la yo nan drogue yo travaille LCC donc comment te ka
comprendre pour que la police ou bien commissaire gouvernement font invitation avec quelques individus dans pays à pour venir. Non, yon pas venir. A raison ou ka saisi ouais si commissaire gouvernement te fait appel ensemble avec John Joel Joseph en tant que ancien sénateur, li te relè pour venir tande le sous dossier assassinat, li ta pour la même moun medel vinn faire scandale devant parquet. Parce que c'est ça au propre. Et ceci des pour commencer faire bagaille là comme ça même dou suspect son grand père. Son grand ramasson là même moun pour qui ça? Ça qui passé. Et tellement yo konnen yo pas droite parce que pas ka ancien sénateur ou son chef et pour participer dans assassinat. Ou pas ka moun kap travay nan ULCC ou se avocat des fois m'a mande meske gen 5 avocats sérieux nan pays d'Haïti. Pardon si m'la gèl kon sa, c'est parce que la plupart nan yo fait trop mauvais zak nan pays ya. Et puis nous vle m'pou juge bon, et puis nous vle m'pou enquête ULCC soti bien. Nous vle pou gen sécurité nan pays ya, tandis que tout moun sa yo li a gang, yo ap touye moun tout. Mon cher, c'est là moi Jovenel Moïse qui te ka fè nou wè yo en batab moua. J'espère que Jovenel Moïse, président pays d'Haïti, pour me dire 58e président pays d'Haïti, a pas mouri en vain. Parce que Jean Bagay la pralé là, ça qui arrive, tout go expert qui descend dans pays d'Haïti, pas gagné fait, mais tout le monde qui impliqué dans Zak assassinat ça, ou ap kontra zo grand nous quand même. Parce que Jovenel Moïse, pati garçon piti non? Et souvent, moun ouè qui t'appelé de prêcher la paix, prêcher la paix, prêcher la paix, et puis s'entende ya, nous font gens nous manger. Nous voulons nous faire passer comme si c'est l'icte bête noire. Eh bien, souvent, sans moun sa pap coule en vain. Donc, c'est Jovenel Moïse qui te ka fait noue. Tout monsieur sa yo en batab moua. Yop travaille dans la justice pas ka réglan. Son plaisir pour yop yop la justice n'existe pas, hein. La justice, ça faiblit, ça pas existe dans le pays, ya. Donc, président prend tout li mette en bas pat li. Et vrai qu'on y a là. Mais président allez chez David, tout moun pe chita. Tout moun pè chita. Chez David, frères et sœurs. Tout moun pè chita. Eh, hey, chita mou. Chita mou. Chez David, kounya. Qui est-ce kap chita souli? C'est un ensemble de questions. Qui est-ce kap chita souli? C'est question en pile moun a posé tête yo nan moment là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pour nous continuer bulletin information nous pour jodia, j'en nous t'ai annoncé ou. Crise la vin pi red nan pays d'Haïti après assassinat chef l'État Jovenel Moïse. Nous perdit toute autodétermination nous. 7 jours déjà, peuple haïtien, politicien yo, société civile, organisation de base yo, secteur privé a pas qu'à mettre yon l'autre moun nan tête pays a pour bien dire dans palais national. Ça qui passé, nous tout chita n'a tant blanc, bluff ak hypocrisie semblait nous tout fait partie des systèmes que Jovenel t'a parlé de li. Que les seul Jovenel qui t'est opposé système nan. Parce que nous tout chita nous croiser bras nous pas qu'à prendre décision. Et ça n'a pas gardé là pour que j'aime en et nous t'ai refusé chita ak Jovenel, mais kounya chaise la vide, personne pas qu'à poté bourri. Qui ça n'a fait? Mais souvent tout ça qui est pour passer dans la vie, quelque part, il a écrit, comme petit proverbe créole l'a dit, marcher, chercher, pas qu'on dormi sans souper. Qui est-ce qu'a président pays d'Haïti? Question ça, un pile monde a posé tête, yon un moment, malgré des gros politiciens qui très influents, mais moun n'a pas gardé, yo, peuple a pas croué, yo, nous pas fait yo confiance encore. Après Jovenel Moïse, fin ouvrir un pile monde dans société, a. Mais quand même, pays a pas qu'arrêté, pour tout mourir après Jovenel, faut que nous continuions vivre, faut que nous continuions exister en tant que peuple, faut que l'élection fait. Mesdames, mademoiselles et messieurs, journée jodi, nous prenons des chances qu'on ait prophétie, yon te bail ensemble avec Jean-Claude Duvalier. 16 janvier 1986, à partir de ça, ou pral konnen qui est ka président pays d'Haïti. Mais, ge koze pou konnen, oui? Mwen invite ou commencer écrit, commencer prendre note parce que koze sa yo ou pa ka blye. Gen yon loi qui rele Olisha, qui te kon manifeste nan tête yon ougan qui rele vieux Cléofa. Le monsieur débarque nan palais et puis Duvalier pral pose le question, pral mande le ki sak passe qui fait président pays d'Haïti ou appelé de mourir comme ça. Eh bien, vieux Cléofa répondit à travers l'ange noir, mais ça le dit. Divers anciens présidents mourir en Haïti, a bien pour retourner dans le pays. Après ou donc, c'est avec Jean-Claude Duvalier la parlé. Liwewa Henri Christophe, gué pour le diriger pendant 2 ans. Les Jean-Claude tant de bagages ça, li saisi. L'a fait l'esprit le travail pour le dire, mes amis, qui est-ce qui vient diriger après m'nan?
qui est-ce qui signe et Christophe parmi moun sa ou là? Et pourtant, Christophe t'est tout en bas à pied, li pa jam konnen parce que gen général Henri Nanfi qui pas très le général Henri Nanfi vrai, mais au contraire, li rele général Henri Christophe Nanfi. Bagayo là en bas pied, monsieur. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ou gan pa kite Duvalier poser le question, li continue bay détail. Les dit après Henri Nanfi, mais ouais de l'autre kap gen pou passer sous pouvoir qui c'est François ak Saint-Surin. Nous gen François Maniga. Pour 3 mois après François Denis kap vini en avril 1989 qui annonçait dissolution yon parti dans l'armée et non ça c'était général Avril. Nous songe causer ça qui vinn paraître en 1989. Nouveau général ça a pris pouvoir en 1989. Li men li pralé 1 an après à cause Lobo te pété nan mitan l'armée. Après c'est sa fin fête, yo pral voye en exil après yon jou li passé nan prison, l'esprit opini misye, donc qui l'esprit ote, c'est l'esprit fondateur indépendance nan à cause misye tal déterré yo pour rien. Donc l'esprit est toujours là quelque part frères et sœurs. Pays d'Haïti pas monté comme ça. Pays d'Haïti que bagaille qui accompagne elle. Mais parfois m'a posé tête mes questions tellement nèg fait dans pays là, m'a demandé est-ce que gen Guinée vrai. Pas, c'est la grande question. Li pral remplacer par un autre mort qui s'est boit un canal qui a sorti dans trouyo. La gen pou prend forme yon femme. Li pral en prison après elle te fin organiser élection présidentielle, li bail pouvoir ak yon prête. Et nous prêtons ça, frères et sœurs, comme nous tous connaissons, 90-91, nous prenons tomber dans Jean-Bertrand Aristide. Dans l'époque ça, général Baptiste Yayou, il était boulé vif, gouvernement pétion. Donc, et Aristide lui-même, c'était même génération Baptiste Yayou qui était un général dans l'armée qui était mouru, il était boulé vif sous gouvernement pétion. Et il était acquisé, monsieur, à cause l'État fait envahi diverses troupes étrangères dans le pays, c'est pour ça qu'il a été boulé. Eh bien, c'est monsieur encore qui va le réparer sous forme Aristide. L'abgé pour le président et l'abgé yon gros popularité. Qui est-ce qui a une popularité vraie dans le pays d'Haïti? Hey, li rele Aristide. Et ceci, l'abgé toute masse là ensemble avec elle. Là, ouais. Aristide campé à full moun sa ou devant l'abdou. Votez prêt, pas voter loin. Non, mais y'en gagne 5 douettes. Et je veux encore. Tout ça, c'est parole Aristide. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, elle a gagné yon troupe étranger qui a débarqué sous sol là, qui a ensemble avec elle. Nous songe époque 2004. Cause au pas fini là. Divers moun qui nan opposant, moun qui te opposition à l'époque, yon apge pou yon boule vif. Sous gouvernement, et Jean-Bertrand Aristide là, nous songe dossier Pelébré. Bagay yon était écrit quelque part. Yon voye l en exil, mais l'apge pou le marier ensemble avec yon descendant de Saline. À partir de là, Duvalier commence pas comprendre rien qui a passé. Les Ougan dit pas inquiété ou pendant tout moment ça yo pays a ap difficile ap gen instabilité politique même race Toussaint yo ap gen pour remonter dans l'histoire yo ap essayé des fois pendant que y a mette yon nevel sous pouvoir d'abord yon la tortue nous songe dossier Gérard la tortue dans transition et y a remplacé le payaou yon nan ennemi yo. Et après, la vin mette yon lot neve li encore kap soti mamelade, et bien li même qui se René Préval. La tombe, donc là nous tombe nan Préval, et ceci la fait 2 mandats. Après demanda ça, pendant que tout sous pouvoir, a bien divers gros catastrophes naturelles nan pays ya, et a bon terrible tremblement de terre kap passé. Nous songe 12 janvier 2010. Ensuite, a gen yon président qui a yon dansé carnaval. Nous songe Joseph Michel Martelly. C'est de li yo te vle parler. L'a gen pour assistant Laurent Michel Vieux. Là, nous tombe dans Laurent Lamotte. Nous pral tombe dans Jovenel Moïse, mesdames, mademoiselles et messieurs. Eh bien, ça qui pral passe, moun qui pral renverse, même petit Laurent Michel Vieux sa yo, qui sa pral passe pour yo. A gen yon événement majeur qui a passé dans le pays ya, qui c'est la mort président Jovenel Moïse, yo te annoncé que président qui a mouri sous pouvoir. Après ça, pral gen 3 jours, 3 nuits, a gen yon événement majeur qui a fait dans le pays ya pendant 8 mois.
Moun ap mouri, c'est un couillon épidémie qui a frappé pays. Et ceci, toujours dans la même prophétie, ça, ou grand fait qu'on est, a gagné un total de 850 000 moun kap mouri dans pays. Hey! Frères et sœurs bien-aimés, mais attention, pays d'Haïti qui est pour libérer. Eh bien, dans le moment que 850 000 moun sa yo ap mouri, et Haïtien, koumi lat, yon paquet moun kap ge pour mouri, chien ap manje cadavre moun dans toute la rue. Bagay la ge pou li chanje, la vi ge pou li chanje, le Lysius Salomon jeune retourne nan peyi a, le sa nation a pral fortifié, nou Haïti pral fèt, la ge fierté devant l'autre nation, richesse yo ap tourne, la paix ap retourne et peyi a prospéré, et richesse yo ap ge pou retourne et nou pa jam pèdi yo encore. Kounya la, question k'ap pose, qui est-ce qui gen non ça? Qui est-ce qui lié ensemble avec Lysius Salomon jeune? Nous sommes des sénateurs Salomon, sénateur bien député le dit. Les autres voient bœuf à touiller là. Mais c'est retel on bœuf croisé devant machine. Nous sommes des dossiers ça. Même nèg opposition que te fait bail là, elle te déclaré à cause d'ici Salomon monsieur qui était li prophétie, il dit qu'elle nous pas quitter monsieur vinn prendre frère ça sous nous, faut éliminer. Donc en ce sens, moi invite au commencer parti à la recherche de Lysius Salomon ça cap gè pour président pays d'Haïti. Donc tout monde rete bouche bée, nous poko konnen qui est. Frères et sœurs bien-aimés, n'a tourner dans dossier toi moun que la police lagé avis de recherche derrière yo a bagay la papiti non. Est-ce que nous avons photo ça? Donc sénateur Steven Benoit te font déclaration côté le déclarer, c'est pas mercenaire qui touye président, mais au contraire c'est sécurité. Mais avis de recherche yo lagé des soldats ça moi ensemble avec c'est quel compte cause. Donc commissaire gouvernement pas mal relèl yon l'autre bon là nous gay madame Liliane ensemble avec monsieur. Donc, comme étant donné, les que c'est Matéli, les que c'est l'autre monde qui fait photo ensemble avec un autre gang, ils ont toujours fait promotion pour eux. Ils pas fait promotion pour ça, yo. Bon, de toute façon, on était suivre. Est-ce que la police a plagué à vide recherche et tout? Yo là. Donc, et cause à mélanger, c'est un presse, bagay yo, commencé vine, puis aggravé, et dossier Jovenel Moïse là, m'pas caché d'où, c'est de temps en temps, n'a découvri vraie identité, yon paquet gros moun nan pays, qui t'a pas l'empile ouvert, quoi, ou fait comprendre que c'est un bagay. Donc, journée jodi, yon paquet, nous commencé, ouais, en batab moua. Donc, vanté, tout moun ouais, tout bouda pou la clé, devant yo. Et ceci, dossier président, c'est chaque jour n'a découvri ou équipe l'autre gros assassin, gros criminel. Donc, nous espérons que yon pas bouye piste là. Nous espérons que yon pas éteint vrai témoin, parce que Martin Moïse toujours là, le vivre folle, parler folle, bah, explication, ça très important. Donc, est-ce que yon capable de supporter ça que pral vigne? Parce que si yon ennemi même, surtout notre pour faire comprendre que, présumé criminel yon arrêté yon, des haïtiens américains qu'on travaille pour DEA, pour FBI. Donc, en ce sens, est-ce que les États-Unis mêlent pas trempé dans l'assassinat Jovenel? C'est pile gros question qu'a posé dans le moment là. Donc, en ce sens, bagay yo vin piment gomme, mesdames, mademoiselles et messieurs. Eh bien, Jean que m'te dit nous, gè gros changement qui fait dans tête palais national. Georges Emmanuel, lui-même li nommé comme nouveau responsable coordination sécurité présidentielle qui président sous play la mo Jovenel, cadavre Jovenel, bon konn ki président nous en tout cas. Gè Peggy Toussaint qui monte nan tête USP. Gè Luc Joseph qui chef Katim et en dernier lieu nous guillons, si seront ce dernier qui lui-même qui vit number one dans USGPN. Donc, en ce sens, et comment monsieur Sarl encore, Dimitri Erard, pas dans tête et USGPN encore. Qui est-ce qui Dimitri Erard? Qui ça le qu'on fait? Bon, est-ce que la police a privé mettre l'embarcade? C'est un ensemble de questions qu'a posé. N'a fait place à Voix d'Amérique Presse, Information Nationale et Internationale. Yon a tourné dans un titan. Qui part trop long. Madame, messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Belizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique en Washington. C'est un plaisir, une autre fois encore, pour nous pour présenter un programme en langue créole haïtienne avec un focus sur les États-Unis, Haïti et jeudi, nous prenons Cuba tout. Donc, nous comptons avec nous prenons en actualité dans le pays d'Haïti. Nous connaissons que et c'est toujours un plein feu depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse dans
pays d'Haïti. Donc, son point qui était toujours été dans tête actualité à dans pays d'Haïti et qui même occupé actualité mondiale là, surtout que chaque jour gagne un nouveau détail, nouveau information cap sorti. Et c'est comme ça que gouvernement haïtien publié un arrêté pour désigner une commission 7 membres pour préparer funérailles nationales président Jovenel Moïse. Premier ministre AIA docteur Claude Joseph t'est présenté Mambio Jodia par la presse. C'est effectivement un accord avec madame président famille comité ça a créé à une arrêté qui vient pour mission organiser dans le respect dignité avec solennité funéraire chef d'État pays. Sous instruction conseil ministre, le comité s'abri prend toute disposition pour bien réaliser mission. Institution avec l'administration publique a dû bailler le comité a toute collaboration nécessaire pour accomplir mission ça. L'État peut mettre tout moyen dans main comité ça pour faire travailler dans le respect de la République. C'est ministre Affaires étrangères à quitte là, évidemment. C'est ministre Défense à avancer. C'est ministre qui le dit à communication. Bien sûr, à avancer. C'est ministre intérieur à collectivité. C'est bien sûr directeur cabinet président de la République que on est pour avancer. C'est secrétaire général résidence qui va là, C'est directeur général de Bana. Les Haïtiens, comme action, demandez-nous pour nous accompagner le comité ça. Participer à la cérémonie hommage qu'a organisé dans les mois président une façon pour aller dans l'honneur. Donc c'était docteur Claude Joseph, premier ministre AIA, qui t'a présenté comité 7 membres ça qui pourra le préparer funérailles nationales président Joseph Moïse. Et faut dire que avec assassinat président Jovenel Moïse là, eh ben nous capable que gagner un nouveau visage dans crise politique haïtienne là, n'ta dit un nouveau virage. C'est comme ça commission qui dit qu'a chercher une solution à crise politique là. Qui gèl la dans plusieurs secteurs dans la vie nationale là, parmi yo secteur paysan, droits humains, barreau avocat yo ak lot encore. Eh bien, yo annoncé jeudi 15 juillet kap vini la, y ap signé yon accord politique entre toutes couches confondues dans le cadre mise en place pour yon président provisoire prend tête pays a. Monsieur Ted Syndic, yon nan responsable yo dit y ap gen pour yo rencontrer ak 10 sénateurs en fonction yo sous aspect ça. C'est une assemblée qui a réuni et c'est l'assemblée qui a joué un accord là. Donc nous n'avons pas un accord ficelé, nous n'avons pas un accord qui est préparé déjà, que nous avons adhéré la dernière. Il a venu à discuter de tout le travail que nous faisons déjà, de résultats que nous jouons déjà. Et nous avons mis devant nous humblement, j'en fais déjà, pendant deux séances déjà. Et c'est ça qui permet de nous une table à élargir. J'en ai je dis là. C'est la même démarche que nous avons fait. Donc nous n'avons pas un accord prédéfini qui cuit qui l'a. Donc, c'est pas un accord là, fait juste ça, à partir de débats, fait de solutions que nous venons. Nous avons une proposition que nous gagnons. Et c'est pour nous mettre sur cette table là, au niveau de tout le monde. Ça, c'est la première question. C'est la première réponse à la question sur l'accord. La deuxième question, sous accord qui joint notre yo, que pour une résolution, mettez M. Lambert, président de la République.
Bon, démarche pas non, nous penser que avant que arrive dans des décisions comme ça, il faut qu'il y ait une pile concertation. Et c'est une démarche ça, c'est une démarche de concertation. Il y a une initiative, l'initiative là, la vaut salvo, la privée côté pour arriver, mais nous-mêmes, ça va déranger la démarche que nous avons fait, son démarche de construction d'une force de société. Parce que nous pensons aujourd'hui, à pas piquer le vent, pas presser, c'est permettre que le pays a joint moyen pour le calmer, pour le un espace de dialogue, un espace de discussion et pour le une résolution qui reflète fondamentalement. Et Madame Komodoni Sotili, ça fondamentalement, c'est la préoccupation du peuple haïtien. Parce que Fondi, un aspect important, c'est la question que le peuple haïtien souverain et dirigeant pays ont refusé de reconnaître que le peuple a souverain. Et il a une capacité pour décider qui j'en agit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Donc, nous pas juger de qualité ça vous fait, nous simplement dit, yo prend une initiative, mais nous-mêmes, nous avons une initiative de rencontrer yo toutes, y compris yo même tout, qui prend décision ça. Nous en une situation pour nous parler avec yo, pour nous comprendre que la réalité, son réalité de mettre ensemble, tout le monde ensemble, tout secteur, toute force politique, toute organisation, pour nous parler d'une seule voix, pour une seule réalité. Donc, c'est notre démarche ça que nous. Donc, parmi les intervenants dans la rencontre avec la presse, c'était M. Ted des Syndic, qui est responsable dans la commission, ça, comité ça, qui a cherché une solution pour mise en place d'un président provisoire pour prendre tête pays. De l'autre côté, toujours dans le cadre de recherche d'une solution dans la situation Haïti, ancien sénateur Steven Benoit proposé une solution entre Haïtiens par rapport à la crise politique. Là. Ancien sénateur a dit, il était parlé avec le président Sénat, sénateur Joseph Lambert, sous nécessité pour le rencontrer avec tout secteur dans la vie nationale là, dans le cadre de mise en place d'un président provisoire dans tête pays, M. Steven Benoit. La situation est exactement, il y a peut-être 5 ans, quand nous avons 10 grands sénateurs, nous avons une institution debout, mais nous n'avons pas de prendre décision parce que nous n'avons pas de quorum, nous n'avons pas de majorité. Et pas oublier, sénateur, c'est job, c'est légiférer. Nous n'avons pas de légiférer sur la Chambre des députés parce que pour une proposition, pour un projet de loi, il faut qu'il passe dans deux chambres. Mais comme des autres pouvoirs PHTK ont fait, nous classer toute institution, je veux dire, nous fait accompli. Il y a 10 sénateurs qui peuvent voter. Mandat, nous d'accord pour finir. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons un bagage pour dire la situation politique. Nous-mêmes, nous avons dit, nous parlons avec le sénateur Nobel. Et moi, je dis, sénateur Nobel, il faut que nous fassions une réunion. Pressé, pressé à toute force du pays. Nous avons parlé des partis politiques, des sociétés civiles, religieuses, catholiques, protestants. Pour nous faire combler, pour nous décider ce qu'on a fait. Parce que dans notre situation de fait, pas de constitution mise en veilleuse depuis janvier 2020. Nous avons une constitution, je veux dire, son accord politique qui pour venir et demander sénateur Robert pour lui adjoindre le parti politique, ce que nous commençons à faire. Mander tout pour l'adjoindre, parce que c'était civil là, apparemment, il y a plusieurs réunions qu'on fait. Mander lui pour lui assurer que la réunion ça y est, pour nous débattre 2 jours, 1 jour, 4 jours, et en final, c'est le résultat d'un dialogue entre haïtien la pied et puis pour nous joindre une solution à l'haïtien. Moi-même, votre serviteur, en tant que porte-parole, en tête nationale pour traîner sur le coupé fâché, nous tous connaissons, nous avons produit un document l'année passée. Nous demandons des points ordonnés. Il y a des gens qui ont pris sur moi, il y a des gens qui ont pris, il y a des gens qui pensent que je veux dire là, nous devons toutes conditions réunies pour mon texte qui nous sortit. Comme nous-mêmes, nous avons proposé 2 textes déjà, une 30 janvier, une autre jour, 5 juin, avec 5 autres grandes entités politiques, près de 50 partis politiques, nous avons proposé texte de mise. Parce que dans le texte, justement, nous avons prévu, et si Jovenel Moïse allait, nous allons tuer nous-mêmes, et s'il démissionnait, et s'il allait, je veux dire, nous devons faire accompli, il n'est pas là. Donc, texte que nous avons produit depuis 1 an, que nous avons produit, amélioré tout l'autre jour, je veux dire, je suis de mise et je me dis, et sénateur Lambert, et les partis de l'opposition, et dans les réunions de la société 2 fois, je vais remettre un document, je dis, yo, yo cap utiliser le document ça, yo cap puiser le document pour nous, à travers la Commission nationale de transition, nous proposer, pour nous choisir, et ou président. Parce que moi-même, je pensais que nous avons besoin de 2 retirés, nous avons besoin d'un seul monde qui a joué un rôle
un chef de gouvernement, un chef d'État, parce que le pays a une situation économique difficile, pour qu'ils soient besoin de deux chefs, deux protèges, deux dépenses. Le budget public est en vigueur là, il dit primature au budget 3 milliards de gouttes, présidence au budget 3 milliards de gouttes. Plutôt le conseil budget 3 milliards de gouttes, et puis tout le marché. Et puis moi-même, dans le texte de 4 pages, en tête nationale, pour ce que le marché était écrit là, il est clair pour nous, nous disons transition de 18 mois, qui va par nous, élection l'année prochaine, septembre, octobre, et en janvier 2023, avec des députés et des sénateurs qui ont pris ses membres. Et le 7 février 2023, nous avons un président élu qui a prêté ses membres. Mais c'est une proposition. Mais mon texte devant tout le monde, il y aura amélioré, il y aura retiré, il y aura mettre mes positions. Nous avons campé derrière jusqu'au moment où je parle. Et si Joseph Lambert a joué pour moi, moi-même, je n'ai pas de problème que un sénateur connu, c'est une politique connue, son monde qui compte l'État haïtien. Si c'est une société à prendre, on ne peut pas décider maintenant pour chier. Ancien sénateur Steven Benoit, donc c'est yon l'autre solution encore, donc son défilé de solutions, et nous parlons l'autre leader politique encore qui gagne une solution tout, en parlant de leader parti politique Plan SPA, professeur Dieudonné Lérisson, li ba en conférence et jodi a, côté que li mande 10 sénateurs en fonction yo, lancé yon dialogue inter-haïtien dans cadre recherche, yon solution à crise politique, li un petit peu rejoindre ancien sénateur Steven Benoit, entendez professeur Dieudonné Lérisson. Tout le monde connaît, te gagné 11 élus officiellement en Nabéia. Président Jovenel Moïse, avec 10 sénateurs yo. Président Jovenel Moïse tombé pour cause peuple là. Rete 10 élus dans le Sénat qui demandent à peuple là dans yo que élus sa yo assume responsabilité yo, yo lancé concertation pour tout secteur dans la vie nationale là, parti politique, société civile, secteur économique. Toute confession religieuse, pour yon réunir, pas pour yon faire brigandage sous sang président Jovenel Moïse, mais pour yon jouer une pire bonne formule pour arriver, rétablir l'ordre dans le pays, combattre le phénomène insécurité, arriver, organiser élection pour le peuple la choisir. Dirigeant Lyon démocratiquement. Donc c'était professeur Dieudonné Lérisson qui c'est leader Plan SPA lui-même tout qui lançait un appel by 10 sénateurs qui c'est 10 élus pour eux-mêmes pour entrer en contact avec l'autre secteur dans vie nationale là pour capable joindre une solution dans ça nous si tout nous y aujourd'hui. Pendant ce temps, gain pile élément d'enquête cap sorti et dans recherche moun qui t'a vraiment fait crime ça qui assassiné président Jovenel Moïse nous connaissons pile arrestation qui fait gain mercenaires yo gain pile réaction mais pendant ce temps gain tout gain avis de recherche qui mettait dehors Jean-Aubert Philippe a suivi de près pour nous situation ça Jean-Aubert qui soit qu'a dit nous sur ça effectivement Jacqueline après avis de recherche qui c'est en fait après à recherche qui t'a fait contre le monde qui a participé dans l'opération ou bien l'attaque physique contre le président Jovenel Moïse là, et bien, quand il y a la police pété un avis de recherche pour chercher le monde qui a gagné pour avec l'attaque ça. C'est comme ça qu'il y a gagné une sorte de mandat d'amener qui lançait des trois individus ou bien trois mondes. C'est d'abord Badjo Joseph Félix, gagné Jar, l'écrit G-A-A-R, Rodolphe alias Dodolf, et puis gagné Joseph John Joel. Trois moun sa yo ke la police mette mandat ou bien avis de recherche de yo a, li yo accusé yo comme assassinat, tentative d'assassinat et vol à main armée. Et t'écoute, autorité te déjà dit, tout moun ke a cherché, que ce soit les 5 mercenaires parmi yo gen yon l'autre moun ke yo mande tout pour yo mette un avis de recherche d'elle, c'est un moun ke li Mario Antonio Palacios y Palacios. Donc, c'est Mario Antonio Palacios y Palacios. Ça fait quatrième monde qui a un avis de recherche derrière eux, ou bien qui a encore un avis de recherche derrière eux. Donc, autorité t'a déjà demandé population. Chaque fois que tu as un monde que tu as suspecté, un monde que tu as mis avis de recherche derrière eux, eh bien, pour ne pas
et maltraiter ou bien touyer yo, c'est seulement mettre mes sous yo bien reler la police pour la police venir chercher. Donc opération qu'on a la prend l'autre dimension qu'on a gagné avec même et photo monsieur ça a publié sur site PNH donc site PNH national là photo monsieur ça a publié et non déjà publié dans média yo pour que population capable aider force de l'ordre chercher monsieur ça qui en bas accusation comme assassinat tentative d'assassinat et vol armé belge. Merci Jean-Robert Philippe. Et Nabdi Jean-Robert Philippe, pas aller trop loin parce que éventuellement nous allons retourner sous lui. Et pendant ce temps, Nabdou, mes amis, pandémie coronavirus là, il est toujours là malgré toute actualité que nous capables parce que masse moins protéger ou masse ou protéger, laver main, respecter et gestes barrières yo et comme ça pour nous capables d'être en vie. Ou toujours sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington DC ou à suivre un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info. Moi, c'est Jacques Belizère. Et me trouve dans Studio 18, la voie de l'Amérique dans Washington. Me salue toutes les amis qui écoutent nous, que ce soit sur Facebook ou bien sur site web et service créole, la voie de l'Amérique là. Soit assassiné président Jovenel Moïse là, vice-président et ministre affaires étrangères Colombia, Marta Rusia Ramirez était devant Conseil de sécurité Nations Unies, côté que l'y a annoncé que le gouvernement pays a travaillé avec Haïti, avec Interpol, avec l'autre et agence renseignement pour joindre coupable. Madame Ramirez, à qui on traduction Marie-Luce Pierre. This is unacceptable. It's unacceptable that anybody can kill a president. Pour nous, c'est un bagage qui est inacceptable. C'est inacceptable pour n'importe qui monde touyer un président. Ou bien l'autre monde. Concernant Haïti, qui te dit, gouvernement colombien, même gens avec le système judiciaire, a travaillé avec la justice et avec le service renseignement de l'autre pays pour aider le pays d'Haïti à identifier tout le monde qui gagne une responsabilité quelconque dans le crime ça, dans le gros crime ça. Pour nous, l'important pour lui est fait sur ce qui passé. Pour qui ça? Il y a plusieurs membres de forces armées colombiennes qui sont impliqués. Et sans doute, la PD Interpol, police internationale là, pour nous gagner toute information sur quantité de temps qui a passé en Colombie avant de faire ça. Toute information sur communication pour lumière qui a fait sous crime et frayer ça. La justice internationale, la justice colombienne, à l'autre instance encore, doit punir sévèrement tout le monde qui a mis au trempé dans sa passé, tout le monde qui est un acteur physique ou intellectuel dans le crime ça. Voilà, c'était vice-président et ministre affaires étrangères pays Colombia, qui c'est Marta Lucia Ramirez, qui était devant Conseil de sécurité Nations Unies avec voix Marie-Luce Pierre, qui tape fait interprétation, traduction. Et pour nous, pendant ce temps, tout le monde dit que il y a plusieurs informations qui ont sorti dans la Maison Blanche, dans le département d'État, dans le ministère de justice aux États-Unis, parce que t'as semblé que y a un mercenaire colombien, yo, t'es qu'on travaille pour agence anti-drogue américain, il t'es qu'on, ça aurait l'air en français, informant. Et l'ité qu'on donc travaille dans le service renseignement a dit il y en a gain plus de détails sous question ça pendant ce temps nous connaît tout que gagné il y en a un point sensible qui fait dans l'actualité là c'est demande que le gouvernement fait pour ta gain soldats et américains qui t'a descendre en Haïti pour protéger infrastructure important pays d'Haïti dans un premier temps Washington te dit que le pas gain plan mais pour ça dans un second temps tant qu'au Yann Psaki qui c'est et secrétaire bureau presse et la Maison Blanche, lui a dit que il a réfléchi sur ça et la Maison Blanche a étudié demande que gouvernement américain fait. Et l'autre point dans l'actualité, nous prenons le pays Cuba, côté ça a chauffé sérieusement pendant que peuple cubain a joué une solidarité dans un pile pays, dans un pile chef d'État. Président américain Joe Biden lui-même a décidé Corée population Cuba, dans le moment, la Maison Blanche lui-même, rejeté parole gouvernement, comme quoi Washington t'a gagné le trempé dans la manifestation qui a déroulé dans le pays Cuba. Serge Rodriguez. Cuban people demanding their freedom from an authoritarian regime.
I don't think we've seen anything like this. Président Joe Biden exprimé appui pour peuple cubain dans cadre pigo manifestation li jam organisé contre gouvernement en place là depuis plusieurs dizaines d'années. Le quartier Maison Blanche l'a dit, population a gain droit pour manifester pacifiquement. Peuple cubain a exigé liberté dans main un régime gros poignet. Et moi pas quoi mon jam moi aucune manifestation comme ça depuis longtemps. Franchement nous pas jam moi ça. États-Unis campé jam avec peuple cubain dans moment la réclamer droit universel li. Et nous lançons appel par le gouvernement pour le tech et freiner sur les actes de violence la promettio, avec tentative la faire pour mettre barbouquette dans la bouche population Cuba. Manifestants étaient descendus dans la rue dimanche passé, côté où tu as chanté slogan pour réclamer liberté et dignité, dans le moment où tu as pris en route capitale à La Havane, avant police, tu as dispersé foule là, et puis arrêté quelques participants. Manifestants ont pris la rue tout dans l'autre région Cuba, tant que San Antonio de los Baños, qui est tout près capitale là, pour te exprimer colère de ce que vous campez dans une ligne bien longue pour rejoindre manger, pour vous manger. Il y a un mauvais coup comme tout, peut-être un blackout qui a valu le terrain dans le pays, mais tu as raté les médicaments dans le cadre de la pandémie coronavirus. Cependant, le président cubain Miguel Díaz-Canel l'a dit sous les États-Unis, responsabilité pour des ordres sociaux qu'a fait dans le pays, à cause de sanctions économiques que Washington mettait sous le Cuba. Une déclaration des Cubains faire pendant un conseil des ministres lundi passé. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez qui a suivi de très près pour nous ce qui a passé dans le pays. Et Cuba n'a pas essayé de faire contact avec Sandra et le maire. En attendant, n'a pas retourné dans le pays d'Haïti. Côté c'est Jodia, il a chanté funérailles journaliste radio, télévision 2000, Diego Charles, dans la ville Jérémy, dans le département Grandance. Cérémonie en déroulé dans le sanctuaire médaille miraculeuse, en présence famille, amis, représentant la presse locale, représentant droit monde, ak mam dans la société civile là, et puis Père Raymond Bernard Louis, curé paroisse là, c'était célébrant. Et principal, en suivre ambiance là, grâce à un courtoisie, confrère nous, Mackinson Charles. Pour moun capable de prétendre éteindre sous son monde, mais on ne peut pas éteindre l'existence. On ne peut pas éteindre la vie. Parce que la vie de l'homme commence sur la terre et continue dans l'éternité. Jésus-Christ a fait l'expérience de la mort. Mais il n'y est pas resté. Il a vécu la mort. Vous avez écouté dans l'Évangile selon Saint-Luc le récit de la passion et de la mort de Jésus-Christ, sa résurrection aussi. Il a été livré de façon malhonnête. Il a accepté sa passion, ses souffrances. Il a été mis à mort. Mais il a vaincu la mort. Pour nous donner l'espérance de la vie, pour nous dire que pendant que vous vivez sur cette terre, vous ne devez pas avoir peur de réaliser les valeurs que Dieu a mises en vous. Vous ne devez pas avoir peur de défendre les valeurs fondamentales de la vie. Comme par exemple les droits fondamentaux de la personne humaine. Donc c'était un courtoisie confrère nous dans Jérémy dans le département Grandance, journaliste Mackinson Charles, et n'a pas rappelé que journaliste Diego Charles était perdu la ville et il était gagné 33 l'année dans la nuit 29 pour arriver 30 juin 2021 dans Acacia zone Crissois dans
Port-au-Prince. Donc, nous présentons l'autre fois encore condoléances nous bay famille et puis condoléances tout à toute l'autre journaliste qui frappé par deuil ça. Nous songer c'est confrère nous et Grégo et confrère nous et qui t'est mouri dans occasion ça, Diego Charles, qui c'était un journaliste dans radio, télévision, Vision 2000, et il était gain tout, il était responsable tout, yon média en ligne, qui c'est La République. Donc, et yon l'autre fois encore, nous présenter condoléances, nous, by tout le monde qui est affecté par de ça, et n'a pas ouais, si nous capables de rejoindre, et Sandra, Sandra Lemaire qui gagne qui pral parler nous de sa sortie dans la Maison Blanche qui sa sortie dans département justice sa sortie dans département d'état par rapport à la situation qu'a développé dans le pays d'Haïti. Sandra, bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. Donc m'a commencé avec ça au tap parler hein qui c'est agence anti-drogue américaine non qui fait connaître que youn suspect yo c'est du monde qui tap travail comme tout confidentiel pour DEA. Et donc, nous, c'est posé DEA question sur ça, mais ça y est responsable. Dis-nous, il fait nous connaître que Youn suspect yo c'est prend contact avec moun que dit qu'on travaille avec Younan DEA après assassinat président Moïse et que responsable DEA qui t'est parlé avec lui, ensemble avec nous responsables département d'État, c'est encourager Mounsa pour lui rendre des bails la police haïtienne. Il y a pas banou non Mounsa, mais c'est un monde que la police haïtienne déjà gagné que lui arrêter et parce que d'après sa responsable dit et a dit la Voix d'Amérique, suspect non assaillant, c'est rendre des bails et autorité haïtienne. Après que l'été recevoir conseil ça. N'a pas rappelé que il a été fait qu'on est que quelqu'un a saigné, il a été prend pause et agent DEA et ambassadeur haïtien à Washington, Bouchy Edmond, a dit que l'été ouais aux vidéos qui montrait ça. Donc, DEA démenti que l'été n'y a aucun agent qui t'a travaillé pour lui et qui t'est impliqué, qui t'a impliqué dans l'assassinat président Moïse. Il dit que il n'y a aucun individu, aucun agent du tout qui ne prend pas dans l'opération ça. Il faut que nous disions que DEA a gagné un bureau en Haïti depuis l'année 1987, un an après le départ Jean-Claude Duvalier. Il n'a pas voulu dire nous combien de monde travaille dans pour DEA en Haïti. Pour raison de sécurité, yo fait nous connaît. À part ça, nous connaît que y'a trois Haïtiens américains que la police haïtienne a arrêté en connexion avec l'assassinat président Moïse. Porte-parole département d'État, Ned Price, fait nous connaît que les responsables américains sont au courant de Mounsayo que yo arrêté. Li di nou ke gen servis konsulè ki a la disponibilite moun sa yo, men ke li pa kapab bay la Voix d'Amérique plus informasyon sou moun sa yo pense ke pou rezon yo vle proteje integrite moun sa yo, men li di nou ke yo va gen akse a moun kap travay pou konsulè. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil. M prale, mais m ap kite nan bra papa bonje parce que c'est lui même seul qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'ap croiser dans l'autre vidéo. Au revoir.